J'appelais tous les mois pour savoir si c'était libre, parce qu'on avait un bail, nous avons jusqu'au 1er juillet. Et là, un jour, elle nous dit, c'est ça, on voit ça sur le journal, puis elle nous dit, bon, on a un pour le 1er juillet. Alors, on s'était regardé tous les deux, parce que si nous demandait, le voulez-vous, il fallait se décider tout de suite, parce qu'il y en a plusieurs qui voulaient. Alors là, on est rentré ici, puis on s'est dit, on se fait un signe, elle a dit, est-ce qu'il vous plaît, sans regarder dehors, sans regarder exactement où on était, on a dit oui, et puis ça a frappé à la porte, c'est quelqu'un qui s'en est le Louis. Oui. Ouais. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça que ça s'est. On s'est décidé vite, on ne l'a pas regretté. Bon, oui, le jour qu'on est arrivé, il était vide. Mais c'était des bureaux qu'il y avait ici avant. C'est quelqu'un qui avait loué ça pour des bureaux. Sauf qu'il n'y avait pas de rabarbe, de rien. Là, c'est pour ça qu'il a mis un carton. Puis avant, bon, on avait mis pour cacher, j'ai pas mes mots, viennent pas. Pour cacher les cartons, là, puis là, c'est un peu tout défait. Tout ce que vous voyez ici, c'est nous qui. Fait, quoi. Moi, c'est plutôt des faits, des choses au contraire, parce qu'avant, on avait chacun notre appartement, on demeurait voisins, puis là, on est déménagé ensemble ici. Alors moi, nécessairement, ben, je me suis défait, j'ai pas de véritable mobilier de chambre, parce qu'ici, c'était un atelier, ni plus ni moins. Mais ce qui est arrivé, ben, c'était plutôt des établis, puis des grands escabeaux, puis des chevalets, des choses comme ça. Ça fait 10 ans, hein, 10 ans qu'on s'est rencontrés, puis on est maintenant ce qu'on appelle conjoint de fait. Oui. Oui, c'est ça, on n'est pas mariés vraiment. Mais en fait, l'offre, ben, c'est ça, hein, on fait comme on veut. Ben, moi, c'est ça que j'aime ici, par exemple, parce que je me lève le matin, puis je suis rendue à ma table le matin pour déjeuner, il n'y a pas de mur. Puis là c'est ça qu'on aimait ici. Là, ben, on va trouver ça un petit peu dur, parce qu'il y a des appartements fermés, il y en a des murs devant nous, là, c'est pas... Puis ben, même l'autoroute, moi, j'aimais ça. Ça fait de la vie, hein? Ça bouge, hein? Puis à part de ça, ben, je voyais la montagne. Je déjeune là, ben, je tire mes rideaux, puis je vois dehors, je vois loin. Mais là, on va moins loin. Mais là, maintenant, ben, on voit plus les côtés négatifs, on dirait, quand on va partir, là. Hein? Les chiens sont bruyants. Il y a aussi eu des problèmes ici. Oui. Des problèmes avec les voisins. Bruyants, oui. Des chiens, oui. Toutes sortes de... problème ici aussi. Oui, c'est sûr. Ça, oui. Mais... On nous manquait au début. Ben, moi, rendu à l'âge que j'ai, c'est genre beaucoup moins entretenir. Hein. Là, c'est des beaux planchers tout vernis, puis il y a moins. Ouais. Ben, ici, c'est pas. C'est, d'une certaine manière, il n'y en a pas beaucoup non plus, parce qu'un atelier, on n'entretient pas ça comme une maison, comme un linoléum qu'il faut cirer ou des choses comme ça. Hein. Et puis les fenêtres, ben, ça, on fait une fois par année, puis on est ensemble pour faire ça. C'est pas... Mais enfin, 4,5, ça va être